expliquer le pas de base de la salsa cubaine. Pour danser la salsa cubaine, vous commencez par reculer la jambe droite. 1. La jambe gauche reste sur place, décolle du sol, revient au même endroit. Ensuite, je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Je bascule le poids du corps sur ma jambe droite. Quand j'ai fini de basculer le poids du corps, je fais la même chose de l'autre côté. Je recule la jambe gauche, la jambe droite reste sur place, puis revient sur le sol, puis je ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Alternativement, d'abord la jambe droite, 2, 3, 4, puis la jambe gauche, 2, 3, 4, 2, 3, 4, un temps, puis 2, 3, 4, un temps, puis 2, 3, 4, puis 2, 3, 4. Donc, en musique. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3. Maintenant que vous avez le rythme, vous pouvez danser avec votre partenaire. On démarre en étant miroir, on démarre jambe gauche garçon, jambe droite fille. La partenaire met sa main dans la main du garçon. Et 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et 2, 3, 4, et 6, 7, 8. Attention, le transfert du poids du corps se fait avec le bassin. On ne recule pas les épaules, on ne danse pas. 2, 3, 4, et 6, 7, 8. Et 2, 3, 4, et 6, 7, 8. En salsa, on dit que le transfert du poids du corps se fait avec le bassin. Ça veut dire que je vais amener ma jambe gauche derrière, je bascule le poids du corps avec le bassin, puis je ramène le poids du corps avec le bassin. Et toutes les bascules du poids du corps se font avec le bassin. Les épaules ne reculent pas. 2, 3, 4, et 6, 7, 8. Et 2, 3, 4, et 6, 7, 8. Et 2, 3, 4, et 6, 7, 8. Vous voyez que le pied ouvre naturellement. Vous laissez le pied s'ouvrir. La fille pose la main sur l'épaule. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Puis on reprend la main de la partenaire. Et 2, 3, 4, 6, 7, 8. Une fois que vous possédez ce pas, vous pouvez commencer à tourner. 6, 7, 8. Et vous lancez. La salsa cubaine. Et 2, 3, 4, et 6, 7, 8. Bonne chance et bonne salsa.